Alors bonjour, bienvenue à cette vidéo dans le cadre de l'auto-formation en MST. Alors à l'aide de Scratch Junior, je vous propose donc une vidéo où les élèves pourraient par exemple animer hein, une façon de réciter la comptine des nombres naturels par ordre croissant, par ordre décroissant, à partir d'un certain nombre, par bond, etc. Alors ici par exemple, et là on exploite vraiment plusieurs éléments, j'ai favorisé Je suis allée premièrement chercher une image, alors qui pouvait être inspirante. Alors, il y a une banque d'images. Une fois qu'on est satisfait, on appuie sur le carré, le crochet pour confirmer. On va choisir en haut à gauche ici un personnage. Alors là, moi, j'ai choisi mon petit lapin qui pouvait se promener dans la forêt. Donc, là, c'est intéressant de voir qu'il peut avoir une signification. Et quand je vais compter, je veux que mon lapin avance un pas à la fois. Si je veux bien le comprendre, je peux faire apparaître le quadrillé, puis on voit où est situé le point de repère, donc aux coordonnées 6, 6 de mon petit lapin. Alors, ça pourrait être un exemple comme ceci. Lorsque j'appuierai sur le drapeau, j'ai enregistré, donc on pourrait demander à l'enfant d'enregistrer chacun de ces nombres de comptines. Alors là, je les fais un à la fois, mais on pourrait aussi faire un enregistrement complet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'enfant s'enregistre, s'il enregistre 1, 2, 3, 4, 5, on ne pourra pas, de façon continue, on ne pourra pas ajouter d'autres mouvements. Donc, si je l'ai décortiqué, voici ce que ça donne. Donc, je nomme le chiffre, je l'affiche et je Deux, fais le déplacement. trois, Donc, ça pourrait être intéressant aussi de faire compter par bond. Et quatre. dans ici, la petite flèche. Je pourrais ajouter que mon bond est de 2 et de 3 et faire les enregistrements. C'est une bonne utilisation, dans le fond, du logiciel pour démontrer une compétence en lien avec la comptine des nombres naturels.